Ancienne figure emblématique de l'émission Télématin, William Lemergy célèbre son 76e anniversaire, ce samedi 4 février, tout comme la chanteuse Leslie. Le journaliste et présentateur télé, très discret sur sa vie privée, a affronté un douloureux deuil, en 2020. En effet, l'ancienne acolyte de Sophie d'avant a perdu son épouse, Marilyn Robin, une styliste et sculptrice qui était la mère de ses trois enfants, Jerry, Sacha et Anna, et à laquelle il était marié depuis 1975. Son corps a été enterré au cimetière de Saint-Gatien-des-Bois, situé dans le Calvados. Ce sont nos confrères de France Dimanche qui avaient annoncé la triste nouvelle, en précisant que la femme de William Lemergy, âgée de 70 ans, avait été emportée par une crise cardiaque, un 25 juin. Le couple s'était rencontré au début des années 1970 et il semblait vivre une magnifique romance, depuis. Dans les colonnes de Paris Match, en 2015, l'animateur télé expliquait avoir fait sa connaissance l'été, à un dîner chez des amis et être aussitôt tombé sous son charme. J'étais à table, Marie est arrivée sur ma gauche. Quand j'ai vu cette magnifique brune aux yeux bleus, très discrète, qui respirait l'intelligence, s'approcher de moi, j'ai compris quelle était la chance de ma vie. Lançait-il avec tendresse en expliquant avoir tout fait pour la séduire. Une femme qui faisait visiblement des envieux interviewés par nos confrères, William Lemergy faisait également part de l'admiration qu'il lui vouait et sur les sentiments forts qu'il éprouvait toujours pour Marilyn Robin, « Ma femme est la femme que tout homme rêverait d'avoir. » Je pourrais écrire un livre de 900 pages sur elle, et en plus, j'ai la chance d'avoir trois enfants que j'adore et qui me bluffent tous les jours. Trois ans plus tôt, c'était auprès de France Dimanche que le journaliste se confiait plus en détail sur la personnalité de la femme qui faisait battre son cœur. Elle est calme, souriante, apaisante. Elle est très discrète. Parle très peu, mais dit des choses essentielles. Elle a été un manager maternel et marital. Aujourd'hui, ce serait bien à notre tour de tous nous occuper d'elle. De quoi laisser penser que sa disparition brutale, en 2020, a été un choc d'autant plus grand pour lui et pour leurs enfants. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Christophe Clovis.